Nathan, je suis trop fatiguée, on peut s'en aller maintenant. Oh bon sang, il est déjà aussi tard que ça. Je suis désolé, j'étais complètement plongée dans mon travail. Je sais que tu as eu une longue journée. Dis, ce matin, je t'ai acheté un livre. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te le lise avant de dormir? Ah oui! Je pense que je l'ai laissé dans l'autre pièce. Pourquoi tu n'irais pas le récupérer? Je finis ce que j'ai à faire et ensuite on y va. D'accord? D'accord, je vais le chercher. Alors, où est-ce qu'il est ce livre? Arrête, Aiden. C'est pas marrant. Aiden? C'est toi qui fais ça, Aiden? Tu l'as trouvé. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et lire une histoire avant d'aller dormir. Jody, tout va bien? Tu es toute pâle. Elle est tout simplement fatiguée, la pauvre petite. Peut-être qu'il serait temps de la mettre au lit. Oui? Oui, un instant. Nathan, c'est pour toi. Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, qu'est-ce qui se passe? Ma femme. Elle revenait de chez ma mère avec ma fille. Un camion. Le chauffeur était ivre et du mauvais côté de la route. Elles sont mortes. Jody, c'est l'heure d'aller dormir. Reste ici, Nathan. Je reviens tout de suite. On y va, Jody ?